passion? Je pense que c'est une façon de se divertir et de s'évader comme les autres. Bah, je pense que c'est une chose bien pour les personnes qui veulent en faire un bon usage. C'est pour les gros bœufs. Ah! C'est important de se maintenir. Bah oui, j'aimerais bien avoir un peu de muscle au niveau du bas. Maintenant, je le fais aussi bah, pour moi, pour ma forme, pour me maintenir. Mais je veux pas devenir hyper musclée, de toute façon ça n'arrivera sûrement pas. Mais non, pour me maintenir, c'est important pour être plus ferme. Bah, c'est bien si tu veux maigrir ou te muscler, mais genre moi, je suis très faible donc. Je suis si faible. Donc, bah, autant se muscler un peu. Bah, des personnes que je connais qui font de la muscu, mais qui font 13 heures de sport par jour, quoi. D'accord. Non. Des gens qui prennent trop soin d'eux, des pétasses, des voilà monsieur muscle, je monte mes muscles, j'ai que ça, ils ont rien dans la tête. Et voilà. Courage, protéines, muscles, abdos, fessiers, cuisses. Voilà. Ben, muscles, abdos. C'est plutôt positif alors. Oui. Oui. Physiquement, ben, genre, ouais, avec des abdos, des fesses, voilà, voilà, des gros muscles. Voilà. Alors, tout dépend du niveau de musculation, mais. Je pense que ça doit être des gens qui ont beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais ça peut aussi être des gens addicts et donc où le sport devient une drogue. Des trucs comme ça. Bah, je les respecte, c'est leur choix, mais personnellement, je n'aime pas une femme trop musclée, en tout cas au niveau des bras et au niveau des cuisses. Mais c'est quoi une cuisse ? Je trouve qu'en fait, pour une femme, c'est bien d'être ferme et d'avoir un beau fessier. Tartiflette. Bodybuilder, je pense que c'est beaucoup plus prendre du muscle pour paraître le plus imposant possible, excusez-moi. Et fitness, modèle fitness, ben c'est vraiment plus dans la beauté de la silhouette. Un tas de muscles en fait. Le fitness, c'est plus pour se maintenir en forme, je dirais. Le bodybuilding, c'est pour ceux qui t'as rien à avoir dans la tête, autant l'avoir dans les muscles. Le bodybuilding, moi je vois ça plutôt comme tout ce qui est le soulever des haltères par exemple, tandis que le fitness c'est plutôt quelque chose de plus sportif, dans le sens où on court par exemple, où on fait des exercices un peu plus dynamiques. Mais je pense que le bodybuilding c'est vraiment gonfler. Je veux être le fitness, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pour te garder en forme, te garder en bonne santé. Bah, la différence entre le bodybuilding et le fitness c'est plus pour se maintenir en forme. Bodybuilding, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Moi j'aime pas trop ça. Je sais pas, je trouve que c'est un peu. Si c'est des compléments à base d'éléments un peu naturels, ok, mais le reste non. Enfin, je pense que c'est pas très bon pour la santé. J'ai failli en prendre il y a 2 semaines d'ici, mais je n'en ai pas pris. Alors là, je ne peux qu'applaudir. Pourquoi ? Ben parce que je me suis un petit peu renseignée autour de moi sur les protéines et je sais que c'est quelque chose qui peut être bon. Mais pour cela, il faut avoir une alimentation qui suit aussi, une alimentation saine, et on ne prend pas des protéines comme ça, sans contrôler son corps. Donc oui, si la prise de protéines peut être favorable à partir du moment où on est conscient de ce qu'on fait, qu'on fait régulièrement une prise de sang pour voir si on n'a pas trop de protéines dans le corps. Évidemment, comme il y a des risques de manger trop de sucre, comme il y a des risques de manger trop de graisse et comme il y a des risques de manger trop de protéines. Voilà, tout doit être contrôlé quand on prend des protéines. Mais évidemment, ça peut être bon. Mais en étant conscient de ce qu'on fait. Je me dis que ça va pas être très très bon, je pense. Moi je trouve que c'est un peu exagéré parce que je trouve qu'on devrait pas pousser le sport autant que pour pouvoir même prendre des compléments en plus, pour pouvoir être encore plus musclé, tout ça. Ce que tu dis n'a aucun sens.
Je trouve que ça peut être utile dans le cas des sportifs de haut niveau, mais dans le cas de certaines personnes, je ne pense pas que ce soit très utile. Je suis pas trop pour le dopage. Non, laissez-le. Je trouve à partir d'un moment tu peux. Mais pour des gens comme moi, ça fait pas. Si c'est bien pris avec précaution, il n'y a pas de souci. Tant que l'alimentation qui va avec est correcte. A priori non, puisque les protéines restent malgré tout naturelles. Lorsqu'on mange des œufs par exemple, c'est bourré de protéines, etc., etc. Donc à nouveau, il faut juste pas en prendre avec excès. Mais je pense que quand on prend des protéines, c'est pas du vrai muscle. Que quelqu'un qui n'en prend pas pourrait avoir totalement la même force, la même puissance que quelqu'un qui en prend, sauf qu'il aurait moins de volume. En fait, je pense que les protéines, ça fait juste gonfler. C'est pour les gens qui font vraiment de la gonflette, quoi. Mais je pense que les protéines, c'est quand même pas... Il y en a, je pense qu'il y a des protéines quand même naturelles. Mais je pense qu'il y a quand même des protéines ou même d'autres substances que les musculateurs, que les gens qui font de la muscu prennent, qui sont pas toutes naturelles. Et donc pour moi, ce qui n'est pas naturel, bah, d'office, c'est un impact sur la santé. Enfin, on prend quand même des choses qui n'ont rien à voir avec notre organisme. Je les aime bien, mais je les aime. Dans chaque sport, il y a toujours des excès. Donc, des gens qui ont tendance à entre guillemets, se droguer pour être plus musclés ou être plus performants. Mais je ne vois pas pourquoi, dans la musculation, ce serait davantage enclin à ça. Ça, je pense pas, parce que quand on voit. En fait, ça dépend quel niveau de sport. Parce que quand on voit vraiment un cycliste qui est en très très haut niveau, qui fait vraiment le Tour de France, par exemple, etc., il y a beaucoup de dopage à ce niveau-là. Mais quand on prend un cycliste qui fait du vélo par passion, je pense pas qu'il prenne des protéines ou d'autres substances pour se doper. Tandis que quelqu'un qui fait de la muscu même pour son propre plaisir va plutôt se diriger vers des compléments alimentaires, des protéines, etc. Donc voilà. Ah, tu dois ramener une bouteille au boulot. Je suis un peu admirative, mais sinon, ouais. Moi je trouve qu'elles ont autant le droit que les hommes de le faire, donc en soi... Je pense que c'est bien, parce que je pense qu'il n'y a pas de limite à avoir, je pense qu'on est une femme, qu'on ne peut pas faire un sport considéré comme un sport de mec. Je trouve qu'en fait pour une femme c'est bien d'être ferme et d'avoir un beau fessier, ou même quelque chose d'être ferme et pas commencer à avoir des gros muscles. Je trouve que limite c'est plus beau pour les hommes que pour les femmes, mais encore une fois, pas de trop non plus même au niveau des hommes. D'accord. Oh non, ça c'est vraiment dégueulasse. D'accord. Elles ont tout autant le droit de faire de la musculation que les hommes. D'accord. Ils n'ont pas d'avis là-dessus. Ça reste du sport, donc je vois pas pourquoi les femmes ne pourraient pas, ou justement devraient, faire de la musculation. D'accord. La musculation c'est autant aux femmes qu'aux hommes, pas grand chose. Waouh!